Voilà, alors là, je vais vous proposer un petit cours assez spécial qui est sur le bottleneck, qui n'est pas ma spécialité, mais c'est pour vous expliquer, pour vous dire que on peut jouer du bottleneck même si on n'est pas accordé ce qu'on appelle en open tuning. Parce que généralement, quand on utilise le bottleneck, le fait que le bottleneck, ben, c'est quelque chose de droit, il faut donc que les notes soient alignées. Et bon, donc on peut jouer aussi du bottleneck en accordage standard. Je vous citerai deux personnages qui jouent très bien ça comme ça, Johnny Winter, Rory Gallagher. Je ne citerai pas Bob Brosman parce que c'est un monstre de bottleneck, mais il joue souvent l'open tuning, mais il serait très capable de jouer normalement. Voilà, alors je vais faire quelques doigtés pour vous montrer qu'on peut s'amuser aussi au bottleneck sans forcément être accordé, ce qu'on appelle en open tuning, accordé sur un accord parfait, quoi, que ce soit en do, en mi, en ré, enfin bref. Bon, voilà, allez, 3 à 4. Voilà, là j'ai fait une pentatonique par exemple. Alors c'est très intéressant parce qu'ici on a dans la pentatonique, bah, dans le mi mineur. C'est très intéressant parce qu'on a le sol qui est là, qui nous mène au sol dièse tout en revenant sur le mi, et ça concorde très bien. Vous voyez? Bien sûr, là j'ai fait un pentatonique de doigté assez simple. Oui. Alors, ce qu'il faut bien faire attention avec le bottleneck, c'est que quand on met. Bien sûr, on joue sur la frette, hein. On joue pas dans la case, on joue sur la frette. Alors, pour le mi ici, hein, le mi qui est là, il fallait faire un. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc voilà. Pour avoir une note nette, il faut pas relever, il faut bloquer les cordes avec les deux doigts, enfin les deux doigts, ça dépend, c'est des gens qui. Enfin, moi j'ai le bottleneck à l'annulaire, on bloque les cordes pour éviter la résonance, et donc. Ce qui fait que quand on change de corde, on n'a pas la résonance de l'autre corde, vous voyez? Ok. Oh, c'était une petite initiation. Allez, merci.